Salut à tous et à toutes, c'est H-Bob et on se retrouve une fois de plus, comme vous pouvez le constater, sur Crisis. Oh yeah! Alka Snipes est là, Alka Snipes, l'héros de l'humanité, le gardien de l'espoir de cette planète, le stopper d'aliens, le massacreur de cafards, la machine à tuer. Alka Snipes, digne héritier de Shepi Sheps, enfin, ancêtre, hein, on s'en fout un peu de la hiérarchie des choses. Mais voilà quoi, un badass, un vrai. Et on va continuer, si vous vous rappelez bien, c'était ici qu'on est arrivé la dernière fois. Puis j'ai eu quelques petits soucis avec Fraps, parce que Fraps est une vraie andouille, franchement. Fraps, il fait chier le monde. Et bah à cause de ça, bah, j'ai dû faire les... Oh merde, il m'a repéré. On y va au balls, oh yeah. Mange-toi ça. Je lui fais pas de dégâts, c'est bien. Je veux pas crever, non. Non, ok, je vais pas crever. On se cache, cours, cours, mon brave, cours. Non, non, ne me tapez pas, non. Oups, j'ai pas voulu faire ça. Oula, oula, calme ta joie, calme. Mange-toi une grenade. C'est pourquoi j'ai la grenade en fait. Tiens, oh, j'explose, femme. Pourquoi c'est une femme? Je me sens très sexiste aujourd'hui, mais bon, on s'en fout, hein, c'est pas bien grave. Vous connaissez H. De toutes les façons, je dis de la merde comme je veux, comme je le sens. Il veut pas mourir. Si, voilà, rien ne résiste à mon flingue anti-cafard. C'est vraiment une arme magnifique, celle-là, je l'adore. Malheureusement, elle a des munitions très limitées. On va aller voir si on a quelques-unes à l'arrière. Non, hein. D'ailleurs, je suis un petit peu rouillé, Crisis, du côté Crisis. Hein. Oh putain, il n'y a plus de munitions. Vous êtes sûr? Ah, voilà. Donc si je fais de la merde, vous m'excuserez, hein, c'est tranquille, c'est comme d'hab, quoi. Non, je ne veux pas. Bon, ce n'est pas grave. On va faire avec ce qu'on a, hein, on va garder ça pour l'instant. C'est ça qui est emmerdant avec le type d'arme que j'avais, c'est la grosse machine gun. Et cette belle arme exploseuse. Exploseuse, c'est bien, en français il est bien. C'est un sel? Salut le sel. Salut, je veux pas te tuer? Non, j'aurais aimé pouvoir te tuer. Je sais. Hop, non, je ne peux rien prendre. Oui, de toute façon, oh, non. Je voulais pas prendre ça. Mais bon, c'est pas bien grave. En fait, ce que je voulais faire depuis tout à l'heure, c'est me mettre ici pour sniper. Mais bon, bah, ça c'est fait. On a choisi. Oh non, mais ça va pas. Qui m'a tiré dessus? Ok, Gould, ok, on va s'en occuper vite fait, bien fait, s'ils arrêtent de me tirer dessus. Moi, j'ai des armes de merde, en fait. On va se cacher vite fait. Je suis vraiment devenu rouillé, hein, sur ce jeu, je le sens. Je suis vraiment devenu une merde. Voyons voir. Cela fait quelques temps à cause de Fraps, hein, bah, j'ai eu un petit bug que je n'arrivais pas à fixer. Meurs. Oh yeah. Oh yeah. Attends, viens, on va s'occuper de toi, mon beau. Voilà, vite fait, bien fait. On va prendre des nano machins, hein, les nano trucs, les nano munitions. J'aime pas cette arme, c'est une arme de merde. Je n'ai rien d'autre, c'est ça? Non, c'est vide. Bon, bah, on va devoir faire avec ça. Hein. Bien si, mon beau. Bien si. Tu sais qu'il y a un alien quelque part. Voilà. Voilà. Les belles munitions pour Papy Chaps. Oh yeah. Oh yeah. Papy. Oh, wow, what the. Wouhou! Un bug! Un bug! Je veux nager! Je traverse les murs! Fantomas! Fantosnipes! Bon, connerie à part. Est-ce que je peux sortir de ce mur là? Oh, je vais tellement les troller! Oh, c'est beau! Mais le problème c'est qu'ils me voient en fait. Mais je peux faire ça en fait. Ni vu, ni connu, oh merde, what the f. Bah, fallait s'y attendre, hein. Il n'y avait plus de collision vers le bas apparemment. Comment faire bugger le jeu? H s'occupe de tout faire foirer. Bon bah on va visiter la partie... What the fuck? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je sais pas comment remonter en plus. Est-ce que je risque de me noyer si je continue à faire de la merde? Ah, on va essayer de monter par ici. Non. Oh, j'ai fait de la merde. No, please, no, no. Prends l'eau est jolie, tiens, on va aller voir. Oh, what, wow, wow. L'eau est moche, l'eau est très moche, remonte, remonte. L'eau n'est pas faite pour être explorée.
Ça c'est la limite, je ne peux plus traverser, donc ok, bah voilà pour ceux qui étaient curieux. Tiens, comment, de quoi a l'air un jeu vu de l'intérieur, un jeu cassé, bah voilà, ça ressemble à ça. Je peux pas nager, est-ce que si je saute, je peux pas, non, ok, bon, je pense que je vais éditer ça les amis, on va essayer de se sortir de là, sinon je vais devoir tout recommencer, c'est bien, la fin du monde, non? Oh, j'ai trouvé. Yay! Alka-Snipes a enfin trouvé comment se sortir. Est-ce que je peux rentrer par ici? Tant qu'à casser les jeux? Non? Ok. Pourquoi j'y arrive pas? Parce que t'es une merde! Parce que t'es une merde! Parce que t'es une merde! Attrape le bord du... Dites-moi qu'ici, au moins, je peux... On est au début du niveau, quand même. Ah, j'ai cassé le jeu, fais chier. Est-ce que je peux pas passer par là, sérieux, il y a un mur invisible. Sérieux que là, il y a un mur invisible, mais par où je suis tombé, il y avait rien, il y avait que dalle, le développeur était nain, la flemme, tant pis, c'est pour H dans sa bouche. Non mais c'est... là, il y a un foutu mur invisible. Nous revoici les Zamzams. Ouais, non, s'en fout des évaluations tactiques, mon cul, ouais. On va y aller au balls. Parce que j'ai fait craquer le jeu, tout simplement. Kev, cafard de mes deux. Où es-tu, petite alien, que je t'éclate la bouche? Viens, toi, je sais que t'es pas techniquement un petit alien, mais on s'en fout. Je dis que t'es un petit alien, donc t'es un... c'est mauvaise cachette, très mauvaise cachette. Ok. Recharge un petit peu ton énergie, mon pote, mon brave. Allez, Alka-Snipes, montre-leur que t'es le professe. Oh yeah, mauvaise cible. Ah, ah, explose de l'intérieur. Oh yeah. Ça c'est du bon jeu. Ça c'est classe. Vous voyez ça, ça donne, ça ouvre l'appétit, ça vous dit. C'est comme les huîtres en fait, les aliens finalement. Faut ouvrir leur coquille. Une fois que c'est fait, bon appétit quoi. C'est tranquille. Ta gueule, Gould, on s'en fout, laisse-moi profiter de mes huîtres aliens. What? J'invente des mots. Ça surprend qui, j'ai envie de dire. Ça surprend, franchement, ça surprend. Ça surprend qui? On va se ravitailler en munitions parce que j'ai envie. Y a pas une meilleure arme que celle que j'ai. Je sens que c'était une arme de fou, celle que j'ai en fait, mais je me souviens pas s'il y avait un bouton pour balancer des grenades ou quelque chose, vu que je fais de la merde comme ça. Ouais, oh, doucement! Ça a l'air d'être un shotgun, ça. Je veux pas le... Je peux pas le tirer dessus, lui. Ça va pas? Non, mais... Wow. Voilà. J'ai moins que ta maligne, là. Hein? Connard. c'est pas ce que je voulais faire depuis tout à l'heure. Recharge. Ben là, vite fait, bien fait. Oui. Mm-hmm. Et l'arme a disparu. Bien sûr qu'elle a disparu. Je suis sûr que cet abruti d'alien l'a shooté. Pourquoi je peux pas la prendre? Non? Je peux pas? Bon, bah, tant pis. On va y aller au balls. Tant pis pour leur gueule, hein. C'est... Oh yeah, Alka-Snipes, saute sur ta maman. Mange. Alka-Snipes ne sait pas tirer en partie, mais bon. Je mérite pas en fait le nom d'Alka-Snipes. J'aurais dû choisir Alka-Bourrin ou quelque chose d'autre parce que... Ou Alka-Merde. Tiens, c'est peut-être plus, plus précis comme titre. Non mais ça va, calme ta joie mon pote, calme ta joie. Quand même ta joie. Non mais ça va. Waouh. 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 Décidément les huîtres ont évolué, se sont un petit peu trop excités à mon goût, sont là. Ouais, on va être les maîtres du monde. On va finir avec l'humanité. Ils sont là à nous manger dans des restos, ça va pas. Ils manquent de respect. Alors ils se sont dit, vous savez quoi, tant pis pour l'humanité, hein, on va y aller au balls. Et on va conquérir le monde. Non, j'ai envie que tu sautes, que je puisse le... J'ai tué. Je suis tellement fort, je l'ai tué, je m'en suis pas rendu compte. Ah oui. Tellement badass. Tellement fort. Il tue ses victimes sans s'en rendre compte. Non mais... Van Damme à côté, c'est un gamin... voilà, un peu... Un peu... un peu mongol, on va dire ça comme ça. Politiquement correct, avec H. Mongol. Je peux pas rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Ils aiment pas l'arme que j'ai, je suis devenu trop gros, trop de bourrelet, j'ai trop mangé. Pas assez de sport dernièrement, hein? Dafaka. Faut que je clique sur quelque chose?
Youhou! Il se passe quoi là? Pourquoi il me laisse pas passer? Je sais que je suis merde et que tout le monde veut m'empêcher de finir le jeu. Mais vous déconnez là. Fuir le prisme, rejoindre l'ascenseur du pont. Oui, c'est ce que j'essaye de faire. Mais là... Ok. une grenade dans ton cul? Non? 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 Celle-là, elle me fait des dégâts! Celle que j'ai balancée dans l'eau, zéro dégâts! Celle-là, elle me fait des dégâts! Bien sûr! Bien sûr! Ce jeu est totalement en train de se foutre de ma gueule. Fallait juste que je saute, en fait. C'est cette marche de merde! C'est en fait cette marche de... Bravo! Bravo, Alcasnaps! Quand je disais que t'étais un abruti de merde, je déconnais! Mais là, Alcatraz, tu... Saute! 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 Fallait juste sauter! Non, je te jure que je me suicide. Fallait juste sauter! Fallait juste sauter, fallait sauter. Non mais c'est, il y avait une marche, une putain de marche. Et lui tranquille, j'arrive même pas à me suicider, j'arrive même pas à me suicider, foutage de gueule. Re les amis, j'ai réussi à me calmer, trois verres de thé après, après avoir tabassé les chats et voilà, mangé quelques huîtres. Nous revoici, j'ai pas réussi à me suicider apparemment, trois grenades dans les genoux, il en a rien à branler, nope, nope. Que dalle à foutre. D'ailleurs, avant de continuer, parce que j'ai fait trop de fails en fait, où est-ce que. Non, puis merde. Je voulais me chercher une autre arme, mais tant pis, on va y aller, on va mourir, on est des merdes, on est bien. Oh, quel. Y aura-t-il une vie après la mort? Neuf cœurs d'ange? Ou un lac de feu? Au fil du temps, on finit par oublier ces mythes. Mais l'enfant qui a appris à craindre l'enfer ne disparaît jamais vraiment. Pour être très franc, j'ai déjà assez soupé de la vie après la mort. Une vie qui s'apparente au purgatoire. Près de 50 ans à flotter dans un liquide en surfusion comme un vulgaire spécimen médical. Les pensées relayées dans les labyrinthes de silicium, des machines, prisonniers de caméras et d'écrans vidéo. Condamné à ne jamais connaître le repos, ne jamais cesser de songer à un monde qui n'est plus le sien. Non, si c'est un avant-goût de l'au-delà. Je préfère que tout s'arrête après la mort. Je comprends ton choix, Agrix, même si t'es un enfoiré, qui a attiré un peu le merdier dans cette belle planète qu'est la nôtre. Fuir le prisme, traverser, esquiver, monter, neutraliser. On va toutes les faire parce que bad girls. Et parce que toutes les façons, je suis une merde et je meurs à tout le temps, donc on s'en fout, hein. Je vais faire ça comme je le sens. Voyons voir, quel est cet arme? Ouh, c'est les munitions pour mon arme favorite. Oh yeah! Oh yeah, érection! Non mais ça va, passer devant moi comme ça, mal poli. Non mais... Vous essuyez des tirs, j'en ai rien à foutre. Je veux... voilà, furtif. Il y avait quelqu'un ici. Oui, j'étais sûr. Salut! Mange! Éclate! Ouais, ouais, c'est bon, je vais traverser le pont. Fais pas ta chienne. Je le tue, parce que je suis en train de le tuer là, j'ai l'impression que je ne le tue pas, je suis une merde. Déjà que les munitions de cette arme sont précieuses, Alcasnipes que je suis, je les gaspille. C'est bien, c'est bien. Oh, une grenade, ça c'est pas bien, ça c'est pas très bien. Oh, dans ma bouche, stop me taper dans la bouche. Bon lui, on va sortir l'autre arme qui sert à rien. Tu vas moins faire ta maligne, saloperie d'alien. Huître vivante. Non mais à me taper comme ça, non mais c'est mal poli dernièrement les aliens. Je sais qu'on vous a traumatisé, les huîtres à vous tuer, à vous manger comme on le sent. Mais stop, faire vos connards. Viens toi, viens, je vais te parler. Viens, oups, j'ai tué un petit peu trop vite. Ou je l'ai pas tué, je l'ai raté en fait. J'ai fait de la merde. Bon bah c'est pas grave. Hein, c'est Alcasnipes, fait toujours de la merde de toutes les façons. C'est H qui contrôle, donc bon, à quoi s'attendre? Ah c'est... Moi j'ai envie de dire attendez-vous à tout, je suis un PGM, hein, c'est... Comment je déteste, moi c'est tellement crade, je le dis, j'ai mal à la bouche en le disant. PGM, yeah, je suis trop fort. Ouais, il n'y a rien d'intéressant par ici, ouais je sais, j'ai oublié de l'alien derrière moi, mais en temps branle de l'alien, je lui pète les genoux, de l'alien, je lui casse la bouche. On dirait que je suis pas à la fin du jeu, là tout est sérieux, c'est dramatique, Hargreaves nous a trahis, les aliens sont là et moi je suis les huîtres, je les mange, je les déchique petit à petit, je suis trop
fort et trop beau pour ces conneries. La la la. Je dis de la... Oh, j'ai toujours... J'avais oublié que j'avais mon armure, mode armure activé. Je suis trop fort en fait, les aliens, ça va rien. Il y en a un quelque part par ici. Je... Non, je rêve. Je sens qu'il y a de la baston quelque part. Ça, c'est monté. Oui, nous sommes montés, donc c'était pas nécessairement ce que je voulais faire. Esquiver, il y avait un truc esquivé en bas. Bah, on l'a fait, vu qu'on est monté, apparemment. C'est parfait. Il doit y avoir quelque chose de badass en bas. En fait, c'est pas tellement parfait, j'aurais aimé aller l'affronter. Salut toi, mange de la... Oula, j'allais dire quelque chose qui fallait pas, mais c'est pas grave, on défend... Oh, mais il me déchique ma race, en fait. Cours, cours, Chepi, cours à genoux. Oh merde, il y en a deux. Il y en a deux pour papa. Papa est tellement dans de la merde. Ok, ok. On se cache vite fait. On se cache. S'il m'entoure les deux, ça va mal le faire. Ah. Je vais tomber. Oh non, oh merde. Il y avait quelque chose à esquiver en fait par ici, non? Salut, qu'étais-je supposé esquiver ici? J'ai l'impression que c'était les deux abrutis qui en haut qu'il fallait esquiver. Mais comme je suis un génie, je suis tombé, je suis... Salut! J'étais supposé vous esquiver, je crois. Bah tant pis, hein, on va se battre parce que je suis merde. Non mais sérieux, je voulais pas tomber ici. C'est pas sympa de m'avoir fait tomber le gros macaque. T'aurais pu tomber aussi, toi aussi, au moins ça serait bastonné tranquillou. Mais non, là il doit me retaper toute la... Oh mais ils sont sérieux, je suis mieux. Oh mais il y en a d'autres. Salut! J'adore ça. C'était un gars, c'est... Pop. Oh, 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 oh. Salut toi, comment est-ce que t'as raté ce truc? Je veux dire, ses fesses sont plus grands que toi. Comment t'as... Incompétent, incompétent. C'est pas pour rien que je vais mourir ici. Tue-le, tue-le, tue-le. J'adore cette arme, elle m'a sauvé. Elle m'a franchement sauvé. Un centimètre de plus et il m'aurait mis la grosse mandale dans les dents. Il m'aurait de 1 rendu plus beau, de 2 probablement tué. Mais bon, c'est, on se satisfait de ce qu'on a. Je serai moche pour le restant de mes jours, mais au moins je serai vivant. Voilà, cette arme est pas mal, mais voilà, je sais pas, j'ai envie d'un petit sniper. Parce que bon, techniquement celle-là a un viseur assez sympatoche. Mais appeler cela un sniper serait peut-être une insulte au sniper du monde. Tiens, j'aimerais un petit quai, monsieur. Monsieur, où êtes-vous? Youhou! Non, ok, personne. Un petit... petite gorgée de thé pour continuer notre aventure, parce que quand même, Alcatraz a besoin d'une petite gorgée, voilà, de son essence, de son flux, de son énergie, hein. C'est le thé, hein. C'est pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est la boisson des dieux, le thé. Chacun ses goûts, hein. Faut avoir toutes sortes de... Comment oses-tu? Montre-moi ta bouche! Il a même pas les balls, il est là. Non, je vais pas te regarder pendant que je tire. J'ai peur, je te montre ma nuque. C'est tellement plus malin. Ma nuque, je ne verrai pas quand tu me tueras. J'ai pas compris ta logique, l'alien. Je sais que tu es un descendant des huîtres et que c'est pas de préfuter une huître. Mais quand même. Quand même. C'est un peu con ce que t'as fait. En fait, j'aimerais bien savoir comment on monte là-bas. Y a-t-il des escaliers quelque part, un escalator où je pourrais monter? Non, une petite échelle. Non. Si je monte ici. Mais d'où ils sortent ces trous du cul là? Je viens de clear toute cette zone. Bah tant pis pour eux, hein, je me plains pas. Viens mourir. Oh yeah. Suivant. Viens ici, où est-ce que tu cours? Viens, viens. Je l'ai tapé? Je viens tellement un meurtrier, tellement merdique. Viens, je te tape. Est-ce que j'ai bien fait le travail? Je sais pas, je... monsieur, est-ce que vous allez bien? Vous êtes mort, monsieur? tellement de la merde. Bon, on va monter par là. Ouh, ça a l'air d'être ici, en fait. Oh yeah, ça a l'air d'être le chemin. Non? Non? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Alors, ça doit être ici, non? Est-ce que... Nope. Nope. Est-ce que je peux... Nope. Ok, bah tant pis, hein, je voulais juste aller récupérer mes nano trucs, hein, c'est mon fric, quoi. Mais c'est pas... Oh, peut-être c'était pas... Non, ok, bon, on s'en fout, sinon je vais rester ici toute la journée. Je vais y aller, je vais continuer notre petite
Très bien mon français, très bien ma prononciation. C'est meilleur, j'ai l'impression. De vidéo en vidéo, je deviens plus fort. Ouais, vous avez compris, c'est du sarcasme. Est-ce que je... Non. Bon, on va laisser tomber comme j'ai dit, parce que sinon je vais jamais finir. Parce que je suis une merde, hein, je suis un abruti et j'ai tendance à prendre trop de temps sur ce genre de conneries. Top top top, il y a quoi par ici? Non, que dalle? Ok, on y va. On y va. Allons-y, volons. Alka Snipes. Le bras des roues court dans les autoroutes. À la recherche de huîtres à... Ouh oh. On est dans la merde. Aïe, aïe. Allez, vas-y, mon beau. Cours, cours, parcours. Oh yeah, jump, saute, oh yeah. Rien, arrête, Alka Snipes. Oh, merde, c'est moi qu'il faut. Ok, j'aime pas ce genre de truc. Je m'y attends jamais. Ghoul. C'était Ghoul, non? Ghoul. Dans le doute, on sait jamais. Ghoul. Adieu, mon frère. Nous ne t'oublierons jamais. Des nuits que nous avons passées. Oh, dans la bouche. Ah, oh, ça m'a fait mal. Bah peut-être nous pourrions aller sauver Gould tant qu'à faire, non? C'est pas grave, un taxi dans la bouche. C'est pas grave. Oui, je sais qu'on est là-bas. Protocole de compatibilité terminé. Évaluation de viabilité nano-catalytique terminé. 100%. Cette nano-combi, c'est de la folie quand même. Itération. C'est vraiment de la folie, cette nano. C'est ce un truc que j'apprécie. Bon, je vais pas parler maintenant, parce que probablement quelqu'un va se mettre à parler. Donc il va me dire, ferme ta gueule, et bref, vous connaissez, comme d'habitude. Donc je vais attendre qu'ils ouvrent leur gueule, et peut-être je me lancerai après. Surtout qu'on s'en fout, finalement, de ce que je veux dire, c'est pas si important que ça. C'est juste H qui parle. On s'en branle un peu, quoi, c'est... Force spéciale ? La CIA ? Et vous n'avez pas jugé utile de m'en informer ? Vous informer ? Et puis quoi encore, bordel? Mais... j'aurais pu vous aider! Ouais, c'est ça. Si vous tenez à vous rendre utile, aidez-moi à retrouver Steve. J'espère qu'il en vaut la peine. La combinaison Alcatraz et la combinaison. C'est l'arme ultime! Ouais. Chino, du neuf? Que dalle. Balayage terminé. On revient en rasant la côte. Je ne crois pas que... Là! C'est son signal! Il est ici! Chino, retour au véhicule. On le tient. Je l'aime bien. C'est par ici, venez ! C'est du sarcasme. Non, j'ai pas envie, t'es une connasse, j'ai pas envie d'y aller. Regardez derrière vous, il va vous tous vous tuer en fait. Mais j'aime bien comment, après tout ce que j'ai fait, elle ose dire, quand on lui dit je suis l'arme ultime, elle est moins, je suis pas convaincu. Il a pas l'air top top. Juste un taxi l'a arrêté. Je n'en reviens pas. Je croyais que vous aviez bu la tasse pour de bon. Mon Dieu. Bref. Bye bye, Hargrave. Va falloir se débrouiller. Oh, je suis ravi de te voir, mon pote. Écoute, je crois que je suis arrivé à... Plus tard, professeur. Vous nous ferez la leçon en route. Allez, c'est par là. Content de te voir aussi. Désolé, je pensais que... Je m'étais trompé de personne, finalement. Je sais pas qui est mort. Tant pis pour sa gueule. Je voulais le tuer. Non, bon, c'est pas grave. Mais je l'aime bien. Non, il est, c'est, après tout ce qu'il a fait, il a dézingué des bâtiments quasiment. Mais non, c'est une merde. Je l'aime pas. Il est pas très fort. Est-ce que je peux... Non, ok. Oula. Après tout ce que j'ai vécu, je suis là tranquillou. On va sauter un petit peu partout. Bon bah connerie à part. Kino! Tu t'en es tiré. Ouais, bien sûr que je m'en suis tiré. T'as vu ma tranche? Les moches, ils crèvent jamais. Voyons voir, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh! Ouh!
J'ai la... Bon, on va voir c'est quoi ce que j'ai pris en fait. Je peux pas tirer, c'est magnifique. Donc je peux même pas savoir ce que j'ai pris, non. Non, j'ai envie de récupérer ça, ça a l'air... C'est l'explosif. Voilà. On va virer le petit flingue en fait, en prenant le Marshall. On va prendre celui-là d'abord. Je pense que je vois c'est lequel. Je l'aimais pas trop, je crois. Je crois. Ou alors je dis de la merde comme Tabs. Bref, on va monter dans le tracteur, hein. Le tracteur, elle est pas mal là. Écoute, d'après la mémoire résiduelle de Prophète, les Seth crèchent juste en dessous du plan d'eau de Central Park. C'est là que se trouve le principal régulateur de spore, le bois central. Si on réussit à vous infiltrer sur place, la Combar et toi, on a une chance de refouler l'invasion Seth. Le problème, c'est justement d'aller sur place. Reste. Canal. Allez-y. Colonel Barclay, ici le lieutenant Tara Strickland, des forces spéciales d'intervention. Nous nous dirigeons vers Central Park, avec le point enrayé de l'incursion SEL. Nous avons réquisitionné un transport du SEL, mais on n'arrivera à rien sans appui aérien. Pouvez-vous nous aider? Lieutenant Strickland, ici Barclay. Écoutez-moi bien. Je viens de me colter à cette attaque. Ils n'ont pas trouvé mieux que de vouloir ramener Manhattan à coups de missiles nucléaires. C'est de la folie. Ce sont un massacre. Toutes les bombes seraient condamnées à l'hiver nucléaire. Ils n'ont pas le droit. Ils n'hésiteront pas. Pour eux, c'est le prix à payer pour stopper l'invasion 7. Et je n'ai aucune alternative à leur soumettre. Il ne vous reste que très peu de temps pour faire ce que vous avez en tête. Après quoi? Vous comprenez, Madame Strickland? Négatif, colonel. Le professeur Gould m'a convaincu qu'il nous restait une chance, mais il faut agir vite. Je répète, pouvez-vous nous aider? Contact! Et merde. Donc va falloir se dépêcher. Depuis tout à l'heure, je m'excuse, j'étais en train de tester le truc. Oh, un tank, je peux tirer. Oh, yeah. Oh oui. Comme un gamin de merde, donc voilà quoi. Pas laisser attendre. Oh non, ok. Bah, je vais en profiter pour tout faire péter. Alien ou pas. Tchan, tchan, tchan. Oh yeah. Oh yeah, my bitch. Oh yeah. Fais-moi un temps malin. Personne ne résiste à Alcatank. Oh yeah, j'aime bien le nom en plus, Alcatank, ça le fait. Tank. Oh bien, bien, et toi, effectivement, chiant de la roquette infinie dans ta bouche. Oh, c'est terrible. Oh, mais c'est ici un malin. Oh yeah. Oh yeah, c'est jouissif. Meurs. Comment je l'ai raté avec tous mes missiles? Tu ne peux pas vaincre Alcatank. Ah. Et bien sûr, dès qu'il meurt, la collision s'en bat les couilles. On se casse. Ouais. Tant pis pour le réalisme, hein. On va se contenter de tout faire péter. J'aime bien ces missiles, juste que je les contrôle très très mal. Bah quoi, quoi? Qu'est-ce que quoi? Boum, boum, boum. Je sais pas ce qui se passe, je suis juste en train de tirer. Ah bah tu... Quoi? Est-ce que je dois les péter, ces trucs? Non, ok, c'est pas moi. Ça ne dépendait pas de moi. Content de voir... Alcatraz. Oui. Alcatraz, répondez. Non. Merde, où est-ce qu'il est? Je te boude en fait, Colas. J'ai pas envie de te parler. Alcatraz. T'es méchante. Si vous m'entendez, j'active notre balise GPS. Prenez de la hauteur et localisez notre signal. Les Seth nous ont fixés sur la position. Ils déboulent de partout. Je tente de contacter Barclay. J'ai pas envie. Nya. 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 Alcatraz est en fait un soldat voilà, qui est un peu sensible hein, et susceptible. Il aime pas qu'on n'admette pas son génie infini. Et quand elle a dit ce qu'elle a dit, bah écoute, je refuse, je vais rester ici.